Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes dimanche 14 février. Je suis encore un tout petit peu malade, mais hier j'ai vu le médecin, donc ça va un peu mieux. Il m'a prescrit des médicaments que j'ai pris hier soir. J'attends juste de reprendre aussi ce matin, mais d'abord je vais manger avant. Et je suis avec mon fils, il s'est réveillé depuis 6h30, en sachant qu'hier il s'est couché à 8h. Et là il essaye de sortir. Je lui dis qu'il ne va pas sortir, mais il essaie absolument de sortir. J'ai dit de venir pour que d'abord je le change, parce que je lui ai lavé les fesses, le visage, je lui nettoie les yeux, parce qu'il a un peu mal aux yeux, j'ai l'impression, parce qu'il a du caca dans les yeux le matin. Je pense que c'est à cause de la poussière, ça. Il me dit au revoir. À tes souhaits, mon amour. Viens, viens, maman va te changer. Viens là d'abord. Viens. Viens, je te change. Viens, je t'habille, après tu sors. Viens, je t'habille. Viens. Viens, mon cœur. Viens. Viens. Fabi. Fabi. Fabi, Cindy. Fabi, Rima, Sarah. Fabi. Il ne veut absolument pas, il veut sortir. Dès qu'il se réveille, le mec se dit que ce qu'il veut, c'est sortir après avoir mangé, bien sûr. Elle a vu son bibi, il est tout propre. J'ai vu sa petite toilette, il faut juste que je lui enlève ce haut qu'il a pour lui mettre des habits propres. Parce que je lui fais toujours dormir en t-shirt, j'aime pas qu'il dort à poil. Ah, donc le matin, je lui enlève le t-shirt avec lequel il a dormi pour lui remettre un œuf, quoi, avec un short. Mais là, il ne veut pas. Il tient à sortir, attendez, il faut que je vous le montre, attendez. Muriel Mouna Mendi, Fabi, il n'y a personne là-bas. Fabi. Fabi, bébé souli. Il est rare, il est balayé. Ah ouais, mon colonné. Fabi. Hey. Je vais aller dans la chambre et je te laisse ici, mon cœur. Souli. Fabi. Viens, mon amour. Viens, après tu sors. D'abord, je te change. Viens voir maman, viens. Viens me voir. Fabi. Fabi. Fabi Cindy. Ils t'ont dit. Ah ouais, mini fait oui. Fabi. Hey. Soulez. Vous avez vu, je l'appelle et pleure. Et ça nous dit qu'il va aller la voir. Il va aller la voir, attendez, regardez. Allez, il va aller la voir. C'est parce qu'elle va aller, elle va ouvrir la porte. N'arrêtez pas de faire. 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 N'arrêtez Vous avez vu mon fils comme c'est un escroc, c'est abusé. Il est parti là, nous l'appeler, il est parti la voir. C'est abusé. Attendez, vous allez voir. Je crois qu'ils sont en train de parler dans la couloir. On va en parler de Gaminabe. Le rabbin, il m'a même changé. Il m'a verré. On va parler de la femme, tu es la femme. La femme, on va aller à la bébé, t'es cool. Bobo, moi je te parle, tu m'écoutes pas. Hein? Moi je te parle, tu m'écoutes pas. Hein, Nda? Je te dis de venir, tu ne veux pas venir me voir. Ils t'ont dit? Ils t'ont dit? Hein? Hein? Finalement, il est revenu vers moi parce que la nounou ne lui a pas fait sortir, donc il a couru vers moi. Et c'est moi qui ai fini de l'habiller. Mais là, on a fermé. Vous vous rappelez qu'ici, de base, c'est ouvert. On a fermé parce qu'on a vraiment peur qu'il tombe dans les escaliers. Donc, on a mis carrément un cadenas parce que monsieur sait ouvrir maintenant. Et là, il va aller faire du sport. Il aime trop aller sur ce truc-là. C'est sa passion. Elle est en train de les pousser. Quand il n'arrivait pas à monter sur ça. Mais maintenant, il arrive à monter et à descendre comme un grand. Et c'est sa place préférée quand il sort sur le balcon. Sur la petite terrasse plutôt. Hein? C'est sa place préférée. Il monte et il joue là, tranquillement. Des fois, pendant 30 minutes, il est seul ici. Et il regarde en bas, dès qu'il voit quelqu'un, il fait « Dada !» Il crie genre.
ce qui va se passer. On appelle ça le sacrifice Tuntuni. Tuntuni, genre celui qui attrape ce qu'il peut. C'est celui qui l'attrape. Celui-là, on l'a attrapé parce que franchement, j'ai pas envie qu'il aille avec les petits. Non, Tuntuni, mara, non, mais regardez. Tuntuni, Tuntuni, mara. Hello! Happy Saint-Valentin! Aujourd'hui, Saint-Valentin. Je suis moins malade déjà. Il est 19h, j'ai rendez-vous avec ma copine Mina, Ntoroma. J'étais en train de parler. Je disais, ouais, je suis censée venir avec ma copine. Mais elle est en retard et moi, je me retrouve pour l'instant toute seule parce qu'à la base, c'est moi qui devais aller la chercher. Mais vu que je ne me sentais pas d'aller chez elle pour aller récupérer la voiture, une copine à elle qui vient la récupérer pour venir avec elle. Donc voilà, moi là je vais rentrer, je vais patienter le temps qu'elle arrive. Je vais essayer de voir pour le billet comment je récupère mon billet. Puis voilà, je vous tiens au courant. Voilà, à tout à l'heure. L'hôtel c'est là, ça se passe juste là derrière. Sans violence, car sur l'axe ça tire à part réelle, ça pique, ça gaz, et on ne fait que serrer, compter les victimes. Mais je demanderai également à l'opposition de serrer, de cesser de vandaliser, et de regarder dans leur rang afin de serrer, de chasser les voyous jusqu'à cause de leurs manifestations sont serrées, s'ils exercent une très violence. Et j'aimerais aussi qu'on dise aux jeunes de l'axe que les C ne sont pas faits pour les V, que les cailloux ne sont pas faits pour les voitures, et de laisser la pauvre population. Un safoulin, la cité. Un safoulin qui n'est même pas dit. Quand le malégué est sous la montagne, il vient là. Il regarde le visage de tout le monde et puis commence à insulter. Oh, aïe, les dangas de Nioli. Aïe, les agonés sous les nerfs. Néna, zire, mina. Quand je dis ça, les peuples sont contents. Quand le peuple est sous, c'est très simple. À voir. Ça, c'est quelle jalousie, ça. Les gars, il y a grimpé, ouais. Tu vas voir, non, on va mettre ta musique tout de suite. Tout le monde va changer ta musique. Et tu veux le vérifier? Hein? On va mettre ta musique. Mettez-moi la musique de grimpé. Vous allez voir que tout le monde est en train de chanter la chanson. Les gars, c'est la fin de la soirée. Il y a tout le monde qui est en train de prendre plein de photos de partout. Les gens, ils sont super contents. Franchement, c'était vraiment très, très, très bien. Moi, j'ai adoré. La salle, c'était comme ça, on était assis là. Et moi, j'ai réussi à avoir un petit livre. Parce qu'il a offert plein, plein de petits cadeaux. Et les gens, ils avaient plein de trucs. Il a offert genre des rice cookers, des casques, des petits trucs, quoi, sympa. Et donc, voilà. Donc là, c'est la fin. Nous, on va essayer de sortir. Et puis, voilà. Allez, sinon, c'était vraiment bien. C'est à l'hôtel Kaloum. Et il s'appelle Las. On a vraiment passé une bonne soirée. Si je peux le voir, je vais essayer de faire une photo avec. Parce que pour que vous la voyez. Donc là on va rentrer et moi je vais rentrer à la maison, je vais aller retrouver mon petit bébé et dormir parce que demain j'ai un grand truc à faire demain, mais vous allez me suivre, vous allez venir avec moi demain. Non, la Guinée c'est trop 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 doux. Vraiment, c'est hyper doux. Je viens de rentrer, il est 23h30. Je suis rentrée depuis un bon moment, mais j'étais dehors en train de bavarder avec les voisins. Donc, ça s'est hyper bien passé. C'était trop, trop bien. À part que ma copine ne sait pas trop conduire. C'est abusé. C'est trop, trop abusé. Bref, mais ce n'est pas très grave. Donc, moi, j'ai passé une très, très bonne soirée. J'espère que vous aussi, vous avez passé une bonne soirée. Mon petit bébé était en train de faire dodo. Ma nounou, elle est réveillée. Moi, je vais aller me laver et me coucher, tout simplement. Et demain, je me lève pour une nouvelle journée et je vous reprends avec moi. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de mon vlog. Donc, voilà. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à demain dans un nouveau vlog. Manon se moque de moi. Bisous.